57 millions de dollars pour l'année 97. Après, au fin de tout le monde, bénéfices, etc. Et Wall Street Journal, 450 million dollars. 1 week after the publication, that guy went to San Antonio. He was residing in a Four Seasons hotel. 1 week after that, là, il a frappé la porte, monsieur, il n'a pas joué. Il a ouvert la porte là. He hang himself. Mettons quoi dans le coul. He left a note on his desk. Despite all the money I have been making, my life is empty. And there is nothing that can fill the emptiness that I feel inside of me. I'm taking my life away. A man who has all the money in the whole world, who can get everything he wanted, can get all the women he can get, because he got money. When you have money, you have power. Everybody is at your mercy. But he hang himself. Si vous n'avez pas Jésus dans la vie, vous n'avez pas de sens. Et c'est ça pour nous connaître, mes frères et sœurs. God is good. Nous devons publier cette bonne nouvelle afin qu'il y ait un pilote monde capable de connaître ça. Et vous venez joindre nous pour nous adorer Jésus. Et au retour de Jésus, nous aurons tous la vie éternelle. Dans le même temps, tout le monde qui l'a indistinctement. Nous comptons misère, nous comptons problème, nous comptons tribulation. Mais notre Dieu est encore. Jésus, il est là, il est sur son trône. Et il règne éternellement. Jésus a venu chercher nous. Mais ce n'est pas le monde qui vient sous les pieds devant lui. C'est le monde qui vient dans l'église for the real deal. Ou venez pour Christ. Et no matter what happened in this church, you're going to stick with God. No matter what. Parce que Satan a toujours fait grimace pour le faire bye-bye. Ou alors, on va travailler dans l'église. Satan montre qu'il y a en dépit tout ce qu'on va faire, monde qui est à côté, il ne parle pas. Il ne parle pas mal, il critique. Ça veut dire que Satan veut dire place ou pas là. Mais l'apôtre Paul dit persévérez jusqu'à la fin. Et au retour de Jésus, vous aurez votre récompense. Maintenant, mes frères et sœurs, que bon Dieu est capable de nous pour nous publier la bonne nouvelle. Nous avons besoin de la participation de tout le monde pour ces 2 semaines de conférence. Parlez aux voisins, parlez aux amis, parlez à tout le monde qui connaît, qui est struggling à cause que Jésus n'est pas dans la vie. Permettez que vous acceptez Jésus et vous avez une différence dans la vie. Que mon Dieu est capable d'aider nous, mettre ça en pratique et en pile monde capable de venir avec nous. Et au retour de Jésus, nous aurons toute sa vie éternelle. Que God bless you. Et pour mettre fin à ce moment missionnaire, nous invitons nous caper toujours pour nous chanter le dernier couplet et juste avant nous prier. Annonçons partout la bonne nouvelle. Bon courage dans le Seigneur comme chrétien. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu. Chrétiens, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Merci Seigneur pour cette bonne promesse que tu nous fais, que tu nous donneras la vie éternelle. Aide-nous Seigneur à partager cette bonne nouvelle avec les autres. Ainsi, ils sont capables de gagner eux-mêmes tout la vie éternelle. Bénis-nous à ce sabbat, au nom de Jésus. Amen. Amen.
L'église, bonjour, bon sabbat. Amen. On dit bon Dieu merci encore une fois, liban nous fait nous grâce, nous gain opportunité, nous capable dans temple matin hein, pour nous capable venir proclamer lui-même comme notre grand créateur, notre seul Dieu. Et avec nous maintenant, avec annonce nous gagner pour ce maintenant. Nous connaissons comme d'habitude, nous avons une dévotion matinale qui déroule sous ligne de prière à l'église, là, 6h pour 7h. Nous avons une prière mercredi soir qui fait en 7h30 pour 9h dans l'église. Là. Et nous avons qui a deux services pour mercredi qui a 6 mars. Dirigeante, c'est par notre sœur Raymond Magali. Prière, frère Joshua Raymond. Méditation et prière finale, ancien Hilaire Joachim. Moun qui pral assurer service mercredi soir pour cap 6 mars. Dirigeante, sœur Magali Raymond. Prière, frère Joshua Raymond. Et méditation et prière finale, ancien Hilaire Joachim. Diak et diakonès, pour aujourd'hui, pour diakonès, nous gagnons sœur Emmanuela Parison, sœur Magali Raymond et sœur Nathalie Mathieu. Comme diak, nous gagnons frère Jean-Robert Hippolyte et frère Joshua Raymond. Pour un sabbat qui va 9 mars, nous gagnons comme diakonès, sœur Violanda Firmin, sœur Lucie Joseph, sœur Léronie Télusmé. Comme diak, nous allons gagner frère Dupiton Jérôme et frère Lugens Préval. Département de la prière, nous connaissons comme chaque premier dimanche du mois, nous gagnons jeûne. Et bien, nous gagnons jeûne de prière demain dimanche-là, sous ligne de prière-là, qui commence à 8h pour midi. Nous gagnons département des femmes qui gagnent un bel programme. Dans l'occasion journée internationale pour la femme, eh bien, nous avons un département préparé un programme très spécial pour nous qui va commencer depuis vendredi. Eh bien, nous avons une rencontre ici à 7h30. Nous demandons pour nous toutes, mesdames, nous sommes capables, toute l'Église, capables d'accompagner les femmes de l'Église dans le programme ça. Et nous avons un invité spécial. Et sabbat matin, au lieu que nous commencions à 9h30, eh bien, nous avons commencé à 9h. So, ça veut dire que sabbat school a commencé pour sabbat qui va 9 mars, ça va approcher à 9h. Département la famille, toujours encourager famille l'église pour nous capables faire lecture dans le livre de Théronome. Il dit un chapitre pour 3 jours. Ce n'est pas un chapitre chaque jour, non? Nous appelons un chapitre pour 3 jours. Et nous avons un mouvement que nous mettons sous pied. Avant tout, que nous passons, nous avons prié et nous avons prié, famille que nous avons pour nous prier pour ce maintenant. Nous avons prié pour la famille Balin Peter, famille Bellotte. Nous avons prié pour Sœur Georgette et Mélissa Beaubrun. Et nous avons prié pour la famille Biasso. Et maintenant, m'a fait place avec Frère Luma, qui est directeur département de la famille, qui a été causé en plus pour Libanon sous département. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, les familles de Bethany. OK. Et comme nous connaissons notre staff là, opportunité pour être capable de créer un club de familles, nous avons demandé à diakonès Sœur Raymond avec diak Frère Raymond. Pour yo capable passer pour nous frère sœur moi prend bossa et frère Raymond a prend bossa. OK. Et si au monde n'a pas dit ça, ça c'est club famille, nous faisons une copie pour tout le monde, on appelle well en qui quand qui club ou y est famille de soutien. Et si au monde pas non là et dans club là, on appelle écrit non et sœur Raymond. Ou pas besoin. Sœur Jephté dans le même club ensemble avec petite Lee.
Il y a c'est pour famille, club de famille. Et chaque famille, une par famille. Il y a la même club là. Maman, petite, tu as toutes fait même partie des mêmes clubs. OK. Et l'un club là, ou après, moun qui accompagne ou, l'un club de famille, qui ça ou a pu faire? Ou pas besoin de t'en, et c'est moun nan qui pour relayer ou. Relayer moun nan, nous travaillons ensemble. Pour nous jouer au super-héros spirituel, pas gain super-héros spirituel. Jésus qui Dieu, lui m'a des disciples pour prier pour lui. Lui même qui Dieu, oui, ou t'as dit, pas besoin de prier, lui m'a des disciples prier pour moi. Pas gain super-héros spirituel. C'est peut-être ça, frère et soeur, nous mettez nous dans le club des familles. Famille Bethany a traversé des moments très difficiles. En nous prier ensemble, en nous prenant temps pour la prière. On nous prend temps pour nous visiter une l'autre. On nous prend temps pour nous conseiller une l'autre. Et peut-être ça, il y a peu bon. Pas quitter semaine dans passé. Moun ouè qui dans même club ensemble avant là. Relèl. Mandel comment lié, comment famille yé. Prier ensemble avec lui. Ça premièrement, l'école ça va a gagné rapport ça parce que ou après les yo moun, ou prier ensemble avec lui, ou conseiller lui. Et ou a baille l'école Saba rapport sa yo et laïque yo même a bien rapport ça. On nous prie ensemble, inviter l'autre là à manger, parler expérience spirituelle nous ensemble et qu'on ça n'a pas ouais qui gens famille nous spirituellement a pas grandi et qui gens nous va ouais l'église Bethany a pas grandi et m'espère que nous comprendre. Relayez une autre, pas quitter sabbat passé, pas quitter semaine dans passé, rentrez nous dans un club, travaillez ensemble et n'après qui Jean bon Dieu aider famille nous. Merci beaucoup. Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Bon sabbat dans le Seigneur. Est-ce que nous content ouais matin hein? Amen. Moi content ouais nous vraiment frais. Non belle et c'est ça que fait matin même moi viens pour me parler avec non pour me dire non merci si tu as un autre bagaille que moi t'ai qu'a dit moi t'a dit mais malheureusement nous pas joindre plus vocabulaire pour nous utiliser que ça et au nom de toute jeunesse là au nom de tout staff là moi dis non merci pour programme samedi à pas gen même yon moun mwen te mande yon bagay ki te di non l pat kapab. Depuis nan matin jusqu'à dan soirée a tout moun te collaboré ensemble avec nous et me pense que c'est yon bénédiction de la part de Dieu. Merci beaucoup nou gen pou nou bay nou un rapport sou combien kòb que nou fait. OK? Nou gen mais le fait que nou poko fin compter tout kòb yo il y a plein de monde caché qui pour qu'on fin payer nous pour qu'on dit mais par la grâce de Dieu me penser mais mon $300 bénéfice l'a fait et me dit non merci en pile pour support nous et ça me voulait rappeler nous que le 16 mars ça va prochain c'est va ministère de la femme préparez nous programme grandiose nous connaissons ça ça va 9 mars, je m'excuse. Et ensuite, 16 mars, c'est va Global Youth Day. Dans le monde entier, les jeunes à porter uniforme numéro 1. S'il vous plaît, si tu as un monde qui peut avoir uniforme, non, ou accès Fabi pour prendre mesure pour que vous soyez capable en uniforme parce que le 16 mars, nous avons besoin de tout le monde en uniforme. Matin et après-midi, n'a pas un uniforme numéro 2. Merci beaucoup pour participation. Nous comptons sur nous, n'a continuer travailler avec nous et nous même continuer kembe nous, kembe la jeunesse dans la prière que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Matin, nous comptons ouais toute l'église, nous comptons ouais les jeunes, les adultes, les petits-enfants. Nous vraiment contents. Est-ce que bon Dieu était bon pendant la semaine? Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons rapidement et nous avons avec nous ce matin et un pasteur en retraite et il vient du Cameroun et il participe avec nous ce matin et donc c'est le pasteur Sandy Valère. Pasteur. Amen.
Donc, merci d'être avec nous et nous souhaitons que vous passiez une bonne journée de sabbat. Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous disons merci avec les jeunes pour le programme qui était fait et sabbat passé. Mais cependant, vous les mettez en phase sous activité ministère de la femme. Donc, vendredi soir, nous t'amènerons toutes mesdames à l'église de Béthanie. Amen. Et pas seulement mesdames, nous-mêmes tous, hein, les hommes, font présents pour appuyer, tendre activité, participer dans l'activité, mesdames. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons compter sur les hommes de cette église? Amen. Donc, sabbat matin, pour un programme extraordinaire, et donc, nous avons demandé toute l'église. Moi, je t'aime que nous ne sommes pas venus pour compte. À chaque sabbat, chaque lundi programme, nous devons venir avec au moins yon zami, venir participer. Parce que le programme, nous ne pas seulement fait pour nous. Nous faisons le programme pour nous capables de prêcher la parole du Seigneur. Donc, sabbat prochain, n'est-ce pas, vendredi et sabbat, c'est un programme extraordinaire et nous comptons sur toute l'église. Et sabbat, à 16 encore, jeunes pour gagner un autre programme que nous avons participé là-dedans. Mais moi, je voulais demander à l'église, dès maintenant, on nous commence à prier. Parce que nous allons entrer dans le dernier trimestre pour l'année ecclésiale. Et là, dans le dernier trimestre, nous connaissons qui ça va le passer dans l'église de Béthanie. Nous pourrons gagner une nomination dans l'église. Donc, nous avons besoin de qui ça? Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de commencer à prier. Nous pourrons le nous sabbat prochain. Nous pourrons faire 3 jours de prière dans le mois de mars, hein, spécialement pour les nominations de cette église. Nous pourrons prier, mais ou même, dans le moment de prière à la caille, au moment de prière à l'église, en nous prier pour mon Dieu prend. Dieu prend direction, nomination. Donc, bien-aimé, déjà, moi, souhaitez-nous passer un bon sabbat, bonne adoration. Nous pourrons faire place au groupe de louanges qui pourront adorer le Seigneur ensemble avec nous matin. Hein. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne adoration dans le Seigneur. Ça va venir, voilà. Bien les frères et sœurs, bonjour. Frère Maxime, bonjour. Ah oui, il fait toujours bon d'être ensemble. Et cela de pouvoir chanter, adorer en esprit et en vérité. Pour ça, bon Dieu fait pour nous, nous obliger, gagner cœur content pour nous capables. Chanter non li, chanter gloire li. C'est vrai que ce matin nous sommes en nombre réduit, mais nous allons faire ça comme de vrais soldats. Et après tout, cette séance, c'est surtout une séance qui appartenait à l'église. En d'autres termes, c'est le voir rencontrer avec voix moins, et puis nous faisons seul, donc à nous faire bon Dieu plaisir. Donc, matin là, nous allons exécuter une série de sélections que nous connaissons, un peu le monde la connaît déjà. Je vais demander un petit volume, s'il vous plaît, l'ami, comme là, give me some volume, please. Alright. So, comme nous vous faisons, nous faisons le même genre, nous faisons un petit campé. Et puis, ensemble, nous allons chanter chansons pour la gloire de Dieu. Amen. Nous voguons vers un beau rivage, c'est notre espoir, nous-mêmes chrétiens. Non seulement ici à Béthanie, mais avec tout l'autre chrétien que nous venons voir nous. I would like some volume, please, on my mic. Just don't be shy about it. Give me a little more, please. Here we go. Much better, much better. Okay, thank you so much. Voilà, nous avons campé, s'il vous plaît. Nous croyons que nous gagnons, nous l'achetons trop longtemps. C'est l'heure pour nous faire des exercices. N'est-ce pas? Voilà.
Je crois que c'est pas ça la prochaine sélection. Nous allons chanter Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor. Seigneur,
Yeah.
L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Nous allons garder la même position et nous chanterons le chant pour la montée en chair. En même temps, les officiants vont faire leur entrée dans l'assemblée. Nous t'adorons, toi, que notre cœur aime, ô Rabboni. Car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de le louer. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés et il panse les blessures. Nous allons réciter ensemble Exode 20, les versets 8 au verset 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. T'adorer en esprit et en vérité. Tu connais notre mode de vie effréné qui nous laisse souvent confus, désorientés et perplexes. Ce matin, nous sommes venus à tes pieds avec nos torts et nos travers. Nous te demandons au Dieu de nous garder, de nous protéger. Permets que ce moment nous allons passer ensemble ce matin, soit de manière digne à te glorifier. Et après tout, tu béniras ton peuple au nom de Jésus. Amen.
Louis l'Éternel, car il est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Chers frères, chères sœurs, chers amis visiteurs, nos fidèles amis internautes, bonjour, bon sabbat. L'Église, bonjour et bon sabbat. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Dieu nous a donné 6 jours pour faire notre travail. Il nous demande de lui en consacrer un seul, le 7e jour, le jour du sabbat. Le sabbat qui est un jour de bénédiction pour nous, un jour où nous fixons notre attention sur Dieu et le ciel. Mes bien-aimés, nous vivons dans un monde bouleversé. Le temps passe avec rapidité. Nous nous sentons agités. Mais la parole de Dieu dans Jean 14, verset 1 à 6, nous demande « Cessez de nous agiter. » Lorsque nous sommes agités, que pouvons-nous faire pour que notre cœur ne soit pas troublé? Quelle est la clé permanente de surmonter la division, l'égoïsme, l'ambition, les crimes et l'hypocrisie et pour trouver vraiment le repos? Car ce jour, le jour du sabbat, est un jour de repos pour nos frères et sœurs. Jésus peut apaiser et calmer notre agitation. Il est le chemin, la vérité et la vie. Peu importe si les choses vont mal ici-bas, remémorez-vous la promesse qui nous est faite en Jésus. Il nous prépare une place, un endroit où nos douleurs, notre agitation et nos souffrances seront à jamais bannies. C'est l'espoir qui nous est donné en Jésus-Christ. Il est offert à tous, peu importe notre identité et nos origines, peu importe la profondeur des ténèbres dans lesquelles notre vie a été ou est plongée. La solution est que nous venons à Dieu dans notre faiblesse, dans nos souffrances, dans notre tristesse et dans notre situation désespérée. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes ici, nous ne sommes pas désespérés, mais pensons à nos frères et sœurs en Haïti. Oui, Dieu nous a demandé de nous lui faire confiance. C'est pourquoi nous venons ici, dans le temple, à la recherche du repos. Frères et sœurs, par ces mots, le corps siégeant prête ma voix pour vous souhaiter la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenues. Que votre cœur ne se trouble pas. Jésus nous invite à vivre dans l'anticipation lorsque nous sommes déprimés. Il est capable de nous relever. Lorsque nous luttons contre les ténèbres et le péché, il est celui qui non seulement a commencé en nous une œuvre bonne, mais il est aussi celui qui l'achèvera. Chers frères et sœurs, prenez courage. Dieu est avec nous. Tenez bien ce que vous avez en main. Le Seigneur reviendra bientôt. Je vous souhaite tous un bon sabbat dans le Seigneur. Et pour saluer les uns les autres, nous allons demander au groupe de chant pour chanter le chant approprié.
temps d'ouverture, le numéro 38, Abandonne ta vie. De Galates au chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Je lis pour vous. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parole du Seigneur. Please.
implorant ta grâce, ton pardon. Et nous connaissons pas gain une montagne que ou même ou pas qu'à déplacer. C'est dans l'optique ça que nous venons matin en pied ou et pour nous implorer ou pour nous chercher face ou et comme ça ou même pour qu'à transformer nous. Seigneur, nous bénissons parce que vous êtes grand. Merci pour le sacrifice de Jésus sur Calvaire. Et sans sacrifice, ça nous pas appelé matin. Merci pour la promesse, merci pour le ministère d'intercession. Seigneur, nous bénissons pour Saint-Esprit qui est toujours là, qui peut aider nous à servir avec crainte, obéissance. Merci pour l'ange qui est toujours fidèle à la portion. Puis on racheté nous dans le danger. Seigneur, merci pour peine ou baille tête ou pour capable sauver nous. Merci Seigneur pour soin jaloux, sollicitude envers nous pendant semaine ça. Nous sortir, nous rentrer, ou ba nous la nourriture, l'être, le mouvement, la santé. Et Marie nous, madame nous, ou prend soin de nous même. Si moun nous yo proche nous yo, ou fait yo grâce ou béni non. Seigneur, pour nous capables de couronner toute grâce à matin. Et nous venons offrir nous comme un sacrifice vivant sous autel. Et ou même ou va descendre feu, Saint-Esprit a fait du ciel. Et comme ça, il va consumer offrande ça. Et offrande ça, il va offrande des bonnes odeurs devant face. Seigneur, nous demandons pardon. Nous pas dignes pour nous être capables de présenter devant face en ce sabbat matin. Mais nous demandons au Seigneur la grâce Jésus-Christ, la mérite. Pardonnez-nous, pardonnez et ta nous au travers nous, manquement nous, petitesse nous. Pardonnez négligence nous, Seigneur. Pardonnez indifférence nous. Pardonnez manque la foi nous. Pardonnez, Seigneur. Toutes les fois que nous crasons alliance, alliance d'amour que nous t'ai fait ensemble avec vous, nous t'ai répondu même avec le peuple Israël, nous avons fait tout ça où t'ai demandé nous, mais là, pas couché, mais alliance nous craser. Seigneur, nous désolé, pas rentrer en jugement ensemble avec nous. Et si nous trouvons grâce dans le pire matin, et permettre que nous va lever à pardon péché nous, et nous va monde qui sauve et transforme. Pour tout temps et pour l'éternité. Seigneur, nous sommes malades parmi nous, le moment ça nous remet. Seigneur, mourir, quel que soit côté lié, et passer mes guérissons sur ses servantes, et permettre qu'il va jouer une guérison, et il va retourner venir adorer ou avec frère et soeur dans la communion fraternelle. Dis un mot pour frère Divo, côté lié, faire les grâces, et dis un mot pour. Et vous connaissez bien Bassou qui a traversé des moments difficiles avec Marie-Li. N'a pas de côté frère Bassou, il est passé maigre sans souli. Retourner frère, ça restaurer lui-même. Je fais promesse de restauration à peuple. Restaurer lui et faire les grâces. Seigneur, nous remettre frère lui qui a des problèmes de yeux. Nous remettre frère Massien qui a des problèmes de yeux. Nous nous remercions pour ce Massien qui est sorti, qui est rentré. Et nous remercions pour toute famille qui l'a maté en Seigneur. Merci pour tous les visiteurs qui honorent nous par présence. Merci Seigneur pour tout le monde. Vous connaissez des gens qui ont traversé des moments difficiles, qui ne connaissent pas ce qu'ils ont fait. Il y a des familles monoparentales. C'est celle maman qui a pris soin des petits ou bien c'est celle papa qui a pris soin des petits mounions. Seigneur, la famille monoparentale, ça y est. N'a demandé ou même qui c'est un mari par excellent et porter secours by famille sa yo et Seigneur montre yo toujours là ensemble avec yo. Seigneur dis moi pour toute famille Bethany ou connaît besoin famille yo, inscris nous chaque famille dans livre de vie au Seigneur et comme ça nous tout nous va sauver. Seigneur fais nous grâce. Dis moi pour jeune nous yo, dis moi pour petit monde nous yo, jeune qui à l'université. Seigneur prend contrôle l'esprit yo et qu'on ça mené yo back by famille yo et qu'on ça même gens avec Moïse. Les pharaon dit Moïse combien monde qui pour aller. Moïse dit nous tout pour aller, Marie pour aller, madame pour aller, petit monde pour aller et tout bête nous pas gagne yon bête, pas gagne yon monde qui était en Égypte parce que destination nous c'est Canaan. Seigneur, permette que nous va arriver là et qu'on ça nous va glorifier. Non, Seigneur, nous parle de
parole ou par canal serviteur ou ancien il est. N'a pas de même gens pour te faire pour Esaïe, dépouiller lui avec et lui-même, brûler lève lui avec charbon à dans sur hôtel ou et permettre que tout ça lui va dire soit directement sorti de ou même et ou va des baumes de guérison et ou va transformer nous pour salut. Tandis que nous pardonner péché nous. Si nous prions, c'est par là mérite que nous gagnons. Mais c'est la mérite Jésus petit tout, à lui seul l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Fidélité. Moi trouvé un conseil qui assez important et m'a conseillé nous matin tout le monde qui t'a voulu progresser dans la vie yo qui est capable essayer conseil ça. Moi li aider moi et me penser li bon, li capable aider nous toutes. Et c'est un conseil qui inspiré, moi trouvé li dans 2 Corinthiens 9. Les versets 6 jusqu'au verset 8. Mais tout chapitre-là, il est important, il n'est pas trop long. Mais m'a pris seulement 3 versets. Et puis, si nous avons noté, écrit, nous sommes capables de lire à nous. Nous avons samedi à nous-mêmes. Nous avons trouvé. M'a pris pour nous dans verset 8, verset 6 jusqu'au verset 8. Il dit, sachez-le. C'est lui qui sème paix, moissonnera paix. Et c'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Et les plus belles paroles à continuer toujours, c'est ça qui fait ma conseiller nous pour être capable et pratiquer verset ça, continuer suivre, lire nous-mêmes et puis après davantage. Je vais prier ensemble avec Diak et Diakonesio, et après quoi, le groupe chante là, chante chant approprié pour ramasser d'hymne. Merci. Puissant éternel, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, bon et tendre Père des cieux, Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons vous pour le privilège et grâce que vous accordez nous. Seigneur, merci pour le souffle de vie qui est toujours dans nous. Merci pour la nourriture que vous donnez chaque jour. Merci pour la santé. Seigneur, merci aussi pour le conseil que vous voyez pour nous. Vous dites ça nous planter, c'est l'in à récolter. Si nous plantons en pile, nous allons récolter en pile. Seigneur, matin, bénis ça qui gagne opportunité pour être capable de contribuer dans le progrès de vous. Et comme ça aussi, bénis ça pour gagner une chance qui soit qui pas travail,
ou bien moyen yo pas répondre. T'en prie cher Seigneur aide yo, nous connaît ou même c'est où ciel la terre c'est pour quel lié. Et bénis chaque monde qui la matin hein. Et permet que Seigneur moment qui passe ici à ce moment qui cap profitable pour yo dans tout ça qui entreprendre dans la vie yo. Nous demandons pardon pour péché nous. Reste avec nous. Nous prions non en qualité de nos mérites, mais nous prions dans nos infinis Jésus qui vit, qui règne, qui demeure d'éternité en éternité. Amen. Amen. Chant approprié avec groupe chantant. C'est une opportunité pour nous capables gagner nous ensemble avec nous matin pour nous capables adorer bon Dieu en esprit et en vérité. C'est vous ou prêt pour coin des enfants? OK. Nous pour aller passer dans le coin des enfants, après ça l'église là nous pour aller temps des anciens, nos anciens il est c'est les mêmes que bon Dieu choisi matin pour capable et porter parole paix de vie pour nous. Après coin des enfants c'est frère il est nous pour attendre, mais matin nous gagnons le privilège pour nous être capable bénéficier service des monsieur qui sous chair et bon gauche moi qui c'est bon droite nous et monde qui te fait bienvenir pour nous c'est Julian Exantus, c'est lui même qui te fait bienvenir pour nous. Ça nous dit pour ça l'église. Après c'est Julian nous jeune en chaise qui vide, c'est serviteur nous frère Lima, c'est nous même qui là. Et après ça n'a fait un bon qui a droite moi qui a gauche nous et monde qui te fait service de fidélité pour nous c'est frère Antonio Pierre, ça l'église a dit pour ça. Amen. Et monde qui pour aller faire remerciement et prière finale pour nous c'est sœur Livielle Voix, ça l'église a dit pour ça. Amen. Il y a faut nous capable encourager eux parce que nous connaît les bon pour nous encourager les ces gens. Merci nous passer directrice coin des enfants pour suite programmation. Merci et bon sabbat.
you guys. I can come back now. Okay, friends, before I start, can I have a volunteer to do a short prayer for us, please? Can I have a volunteer to do a short prayer? Who would like to pray for us this morning? Okay, I'm going to choose somebody to pray for us. Can you pray for me, Gershon? No? Okay. I guess I'll do the prayer today. All right, guys, close your eyes and bow your head. Dear Heavenly Father, thank you for your love and your blessing. Thank you for everything you have done in our life. As I'm about to do the children's story, I'm asking to please send the Holy Spirit so every word I'll be saying will be coming from you so all the kids can learn from you and can apply to their life. In the name of Jesus, I actually do pray. Amen. Okay, friends, how y'all doing today? Good? Good? Are y'all happy to be here? Yeah? I don't feel the energy today. It's been so long since I talked to you guys, right? So today we'll be talking about patience. Can somebody tell me what is patience? When you wait. When you wait. What is patience? When you wait for something happen. Yes, it is, of course, when you wait for something to happen, right? Who else can give me what is patience? Okay, yes, patience is when you wait for something to happen, right? So I remember I talked to you guys about faith. You all know what is faith, right? What is faith? Do you know what is faith when you have faith in God? Do you know what is faith, Gershon? No? Okay, faith is when you believe in God. No matter what will happen, you still believe in him that it's going to happen. But you need to have faith, but you need to have patience, right? Those two always goes together. You believe God will do something for you, but you have to have patience that is not going to happen in the time that you want it to happen, right? Because God always have a time that it's going to happen for you. So today's story is about Abraham and Sarah. Abraham and Sarah. So those two, there are two couples. They were trying to have a child of their own. They tried so many times, but they couldn't have a child. But they keep praying to God. They keep having faith in God. They say, God, we really want to have a child on our own, but it's still not happening, but we still believe in you and stuff like that. But days are passing by. Months are passing by. Years are passing by. They're starting to think, maybe we're not going to have a child on our own. So they started to talk to God. God said, don't worry. You're going to have a child. Just have faith in me and have patience. So one day, Abraham was talking to God, and he said that, God, I really want to have a child of my own, but I can't have one because time is passing by. I don't know when is it going to happen. And God told him, look up in the sky. You see so many stars. Can you count how many stars there's in the sky? No, there are so, so many of them. And God told them, that's how many children you have on your own. That's so many children that you have. So Abraham was like, okay, maybe I'll start believing in God and keep going and keep having faith in him. So there was this one time they're in the house. There are three visitors that come to Abraham's house. When they came, and Abraham invited him over and gave them bread, they gave him milk, and they're talking to Abraham. And Abraham was like, and the visitor was like, Abraham, where's your wife? And he was like, oh, she's in the other room. And he said that I'll be coming here the same time next year, and you'll have a son of your own. And Sarah heard this, and she laughed because she's 90 years old. That's older than your grandparents. And Abraham is 100 years old. That's very old. And they said, how am I going to have a child at such an age? And they already forget about this. They haven't even think about this because they're way too old to have a child of their own. And they said to keep having patience and to have faith in God. So they had a son. His name was Isaiah. But the thing is that I wanted to teach you is that you need to have faith in God. When you ask something, you believe that God will give it to you. But sometimes you want something to happen tomorrow or today. But God knows when it will happen, and he knows that the best time it is for you, right? So today, I want you to think about something that you want to ask God. But when you ask God for it, don't give him a time. You know what is the best time for you. That's the story that I have for you today, guys. I hope you learned something from it. Who would like to pray for me today? No one would like to pray? Can I volunteer someone to pray for me again? Lulu, can you pray for me? No? Okay. Can you pray for me, Gershon?
Nali, you like to pray for me? Okay. Thank you, God. Yes. Thank you, God. Thank you, God. Thank you. Amen. All right. Thank you so much, guys, and I'll see you next Saturday. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Ok, microphone, it's work. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Et moi, ouais, nous, et puis, fret matin, hein? Nous sommes dans la maison de Dieu. À chaque fois que nous avons l'opportunité pour nous trouver nous dans la maison de Dieu, c'est un moment pour nous réjouir, mes frères et sœurs. La Bible dit deux, là, deux ou trois. Réunis dans le nom de Dieu, il est là parmi nous, n'est-ce pas vrai? Donc, nous avons pile raison matin pour nous content parce que bon Dieu parmi nous matin. D'une façon spéciale, nous voulons saluer nos frères et sœurs, qui font le déplacement pour être avec nous ce matin, adorer notre Seigneur Jésus. Hein, n'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Ce jour est un jour baptisé comme baisser levé dans le monde. Mais nous, de notre côté, nous réunis dans la maison de Dieu pour nous adorer le Seigneur. C'est une grâce et un privilège, mes frères et sœurs. Nous voulons saluer Pasteur Josué Alexandre. Pasteur Josué Alexandre, si. Amen. 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 Donc, Pasteur Josué. Nous ne pouvons pas dire que c'est la première fois qu'on vient, parce que le visage là, nous reconnaissons le visage là. Et nous sommes bien contents parce qu'on est avec nous là matin. Si nous sommes venus, nous sommes à bon placement pour prêcher. Ouais. Mais malheureusement, vous venez un petit peu tard, mais nous sommes contents parce qu'on est là avec nous pour adorer le Seigneur. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir. Bénir le ministère, un jour comme aujourd'hui, nous aurons l'opportunité dans le ciel de gloire et de félicité pour nous adorer le Seigneur. Nous voulons saluer Fedlin Doxin, la famille Fedlin Doxin. Chère madame, nous comptons pour avec nous matin et son grâce, son privilège pour que vous adorez le Seigneur. Mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous a invité. Mais de toute façon, vous êtes là et nous sommes contents. Dis-nous un peu, comment on fait là? Oh, OK. So, ça veut dire, vous êtes adventiste? Oh! Eh bien, famille ça. Bon, je vais vous donner un peu de temps. Next sabbat, nous venons pour nous capables plus familiariser avec nous. Nous avons pile place comme nous sommes capables de voir ici. Si vous avez l'autre monde qui est Pennsylvania, nous sommes bien contents. Parce que nous avons besoin de pile de monde ici. Donc, nous disons merci pour la présence de nous matin. Parce que nous connaissons que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Afin, au fur et à mesure, nous n'avons pas avancé vers la fin de ce monde. Les choses vont de mal en pis. Et c'est le monde qui a un backbone qui choisit pour adorer bon Dieu. Est-ce que nous avons l'autre visite avec nous matin là? Nous avons visité. OK. Nous avons avec nous Pasteur Sanji Valère. Amen. Amen. OK.
Ok, ok, c'est un pasteur retraité de la mission du Cameroun. Mais un pasteur n'est jamais en retraite, pas vrai? Et nous disons merci à Dieu pour votre présence ce matin. C'est là que je suis avec mes frères et sœurs. Amen, amen. Et pasteur Valère, je ne sais pas pour combien de temps vous êtes ici, mais si vous êtes en voyage ou en vacances, ou bien si vous habitez ici, et pourquoi ne pas adorer avec nous chaque sabbat? Je suis arrivé la 5 ans au cours de la semaine. Ok. Et je voulais adorer Dieu dans la terre d'église. Ne comprenant pas bien l'anglais, j'ai demandé où est-ce que je peux quand même comprendre un mot français. Alléluia! Ok. Gloire à Dieu, merci. Et nous espérons que, je ne sais pas pour combien de temps que vous êtes ici, mais quand même. Ok, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons saluer cette belle famille, hein, un groupe de 5 ou 4. 5, ok. Parlez-nous un peu de nous-mêmes, nos frères et sœurs. Parlez-nous un peu. Moi, c'est sur Kamita. Et vous, monsieur, c'est Marie-Louise. Ok. Et Pierre, nous sommes pas de présenter la présence de nos sœurs. Ok. Nous sommes en Georgie. Ok. Diakonès. Yes. Nous devons voir ici, nous devons voir qui l'école, la maman de docteur, voir ici, nous devons vivre là, déjà c'est lui maintenant. Ok. Yes. Et nous devons marier avec Edouard, comme voir ici. Ok. Ok. Alors, ça veut dire ce matin, vous êtes de passage. Bon, nous allons prier Dieu pour que, bon Dieu fait ça, le fait plus bien, font miracle pour venir habiter Borussia. Parce que nous avons beaucoup de place ici et nous disons merci à Dieu pour votre présence et puis pour la présence de votre fille qui adore le Seigneur avec nous très souvent. Par contre, si vous voulez, ok, certainly you speak English, right? Yes. Yes, when they were talking about finding wisdom, it's been a couple of years since I've been here in medical school and I came here a few times, so and my family came to visit. So therefore, since I came here before, so I just bring them. You bring them over here. But you never know. You could be here for a long time. Yes. Yes. We like that. Eh? I thank you. Okay. Mais ou pas dans Salem encore, ou bien en Bethanie. Ou devez faire un membre de Bethanie. Non, n'a pas parlé ça après. Thanks. Thank you very much. You're doing a tremendous job. Because I know people who are serving the Adventists, but when they got their friend, they don't bring them here. They bring somewhere else, but we thank you for that. And God will continue to bless you, okay? So nous disons merci à tout le monde. Nous voulons saluer nos frères et sœurs qui n'étaient pas là la semaine dernière. Nous disons bon courage dans le Seigneur, que bon Dieu est capable de bénir nous. Bénis nous, mes frères et sœurs. Prions le Seigneur. Heavenly Father, we want to thank you for the opportunity you give each one of us. We come here to worship you in spirit and truth. We know, Father, you know us. But this morning, we ask you,
to cast upon us your blessing so that everything we will do today will do for your glory and for your kingdom. I'm going to speak to your people. I don't want to speak about myself. But I know you put your word in my mouth. May your word transform the people who are listening this morning. And at the end, we all can glorify your name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Le sujet de ce matin est titré « Jésus, notre modèle ». Quel est le sujet de ce matin? Vous connaissez ce que c'est qu'un modèle, pas vrai? Et si je vous pose la question, qu'est-ce qu'un modèle? Qui saura répondre moi? Hein? Un modèle. Qui sont un modèle, y est, mes frères et sœurs? Hein? M'attendez-nous. Un modèle sont youf. En parlant de la Bible, c'est yon moun sou qui ou fixe yon pour suivre les. Ou dis-moi, certains disciples ou sont disciples. Mais maintenant, notre texte de méditation est tiré dans Galates 2, verset 20. Nous demandons à nos frères et sœurs, techniciens, pour projeter un texte pour nous. Galates 2, verset 20. L'apôtre Pierre nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce qui signifie que l'apôtre Paul a rejeté le passé et il a embrassé Jésus et il veut suivre Jésus à tout prix. Quel que soit le prix, l'apôtre Paul l'a décidé pour suivre Jésus. Mais ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Il y a des personnes qui essaient de faire quelque chose pendant un temps. Mais au fur et à mesure qu'ils n'ont pas avancé, ils voient que j'ai été calculé. J'ai été pensé, ce n'est pas la même chose. Ils ont décidé de go back to their old habits. Mais l'apôtre Paul nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le devoir de tout chrétien. Quelle que soit la personne qui accepte Christ comme leur sauveur personnel, cette personne-là doit crucifier avec Christ. Il doit mourir avec Christ. Et l'or à vivre, ce n'est plus ou même qu'à vivre, mais c'est Christ qu'à vivre. Et c'est le problème que nous avons, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes ont accepté Christ comme leur sauveur personnel, mais ces personnes-là ne vivent pas pour Christ. C'est ce qui est une ironie dans l'histoire. Une ironie dans la vie chrétienne. C'est Christ qui vit en moi. Et maintenant, je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la loi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. L'apôtre Paul didn't want to go back to the old habits. He gave them up forever. Et l'apôtre lui assurait nous que, avant sa mort, qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course, et désormais, il est sauvé pour le temps et l'éternité. Et maintenant, ce n'est pas sûr et certain qu'il y a un pile monde là qui a fait déclaration, ça.
Les gens ne cherchent pas la vérité. Les gens de nos jours, les chrétiens de nos jours, ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent le bonheur. La vérité, même les chrétiens disent qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. La vérité est facultative. Facultative. Vérité a dépend de moun. Mais ce matin, je veux vous assurer que les paroles trouvées dans ce livre sont des vérités absolues. Sont des vérités. Christ est notre Créateur. Christ est mort pour nous. Christ nous a rachetés. Christ veut nous donner la vie éternelle. Ce sont des vérités absolues. Nous avons pour mission, mes frères et sœurs, comme l'apôtre Paul, pour nous vivre pour Christ, non pas pour nous vivre pour tête, nous. Et ce matin, avant de venir ici, j'ai tourné ma langue dans ma bouche près de 1000 fois parce que je veux trouver les vrais mots pour adresser au peuple de Dieu parce que ce peuple est tellement fragile, on ne peut pas dire n'importe quoi. Parce que le peuple s'est souvent offensé. Alors que quand il s'agit de la parole de Dieu, nous devons dire la vérité et la vérité seule. Les gens ne viennent pas à l'église pour entendre la vérité. Ils viennent pour trouver un pasteur, un prédicateur qui a prêché des paroles qui allaient dans le bon sens. Maintenant, quand vous trouvez un pasteur qui prêche selon la parole de Dieu, c'est facile pour vous trouver. En sortant dans l'assemblée, ça, en pile moun boudé pasteur. Parce que il pas parlé un langage commun. Et ce matin, je dois vous assurer que je ne vais pas parler pour vous plaire. Because you cannot pay me. I'm not going to do that. I'm not for sale. I'm not doing this. But I'm going to speak with you the words of God with love. Very often I heard people say, I don't have any problem. But the problem I have is the way he talks to me. It's the way. Okay, I know there is a right way to talk to people. But is it the point? Lorsque vous vivez dans le péché, quand vous vivez dans le péché, vous êtes devenu arrogant. Ou pas vous l'étendez la parole de Dieu. Et Jésus a eu beaucoup de succès quand il était sur la terre. Parce que Jésus aimait les gens, mais Jésus disait la vérité aux gens tout. Jésus se souciait sincèrement des gens. Il était plus préoccupé par leurs besoins que les siens. Sa vie était totalement centrée sur les autres. Son ministère était un ministère de compassion. Jésus répondait aux besoins physiques, mentaux et émotionnels des gens autour de lui. Ainsi, leur cœur fut ouvert aux vérités spirituelles qu'il enseignait. Quand Jésus guérissait les lépreux, ouvrait les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, délivrait ceux qui étaient possédés des démons, nourrissait les affamés et prenait soin des nécessités, les cœurs étaient touchés et des vies renouvelées. Lorsque Jésus touchait les malades, guérissait les malades, ouvrait les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, yo tendaient. Maintenant, yo vin devenir yo réceptif aux paroles qui sortit dans la bouche de Jésus. Et pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas faire ça?
C'est parce que nous vivons aux États-Unis d'Amérique, l'un des pays les plus développés du monde. Les choses se font d'autres façons. Les choses se font d'autres façons. Hein? Nous avons tout ce que nous avons besoin. Donc, pas la peine. Si je ne parle pas de l'évangile de prospérité, si je ne vous dis pas que vous qui êtes mariés, vous pouvez divorcer votre femme pour n'importe quelle raison, je ne vais pas parler langage commun. Nous ne pouvons pas entendre. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas crucifié le vieil homme. Ils continuent à vivre de la même façon. Voilà pourquoi nous n'avons pas beaucoup de mal pour prêcher l'évangile. Voilà pourquoi. Puisque nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas prêcher les paroles trouvées dans cette Bible. Nous avons une responsabilité, mes frères et sœurs. Jésus est notre modèle. Ce matin, je fais une constatation. Les personnes qui vivent dans le désordre ont plus de popularité que ceux qui prêchent la vérité. Maintenant, nous sommes capables de trouver les églises qui prêchent l'évangile de la prospérité. Il y a un pile de monde là-dedans. Parce que nous sommes à la recherche du bonheur et non pas à la recherche de Dieu. Nous ne sommes pas à la recherche de la vérité, mais nous sommes à la recherche des choses qui sont capables de satisfaire nous. Nos besoins physiques, nos besoins émotionnels. Mais comment pouvez-vous avoir le bonheur sans Christ? C'est la question. Est-ce que nous sommes capables de gagner le bonheur sans Christ? Ça n'existe pas. Ce matin, je vous dis qu'il y avait un homme, c'était le PDG du restaurant Lobby's Cafeteria. En 1997, ce restaurant a fait un bénéfice de 457 millions de dollars. C'était à la radio, aux journaux, à la télévision. Et puis, une semaine après, il était rendu à San Antonio et le jeune, il hang himself on the wall. Why? He has everything. He had everything. Everything. Everything you can think of. His heart was empty. If you do not have Jesus Christ in your life, no matter how much wealth you have, your stomach will be empty. Why? Because those things you can buy with money, they cannot satisfy your soul. It's impossible to do that. Money is good, but money is not everything. Que servirait-il à un homme de posséder le monde entier s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Lorsqu'on mourit, ou bon green bagay pour la ville. Si vous êtes connecté avec Christ, ou pour aller avec Christ. Et si vous n'êtes pas connecté, you're done. You're finished. You're finished. Nous devons prêcher la vérité. Nous devons dire la vérité à la manière de Jésus. Parce que Jésus est notre modèle. Jésus est notre modèle. Il y a des sujets que nous nommons des sujets tabou, des sujets qu'on ne peut pas prêcher à l'église en ce moment. Parce que les membres d'église n'ont pas voulu entendre la vérité.
y a un problème, y a un phénomène qui a détruit le monde. Ce problème, un mari avec madame. Nous marier pour n'importe quelle raison. N'importe quelle raison. On va pas avancer en âge, ou dans grand monde, on va le dire au grand monde, on obligé de marier. Hein? On obligé de marier. Ou besoin de résidence, ou pas qu'on a une résidence ou marié. On obligé de marier. Mais I don't like this man. But you know what? He's going to give me my green card. I'll take it. I will divorce after that. You can't do that. Moun ki gen Jésus comme modèle ou pas qu'à faire ce genre de choses. Ou pas que c'est une impossibilité. Dieu dit, il n'est permis pas à l'homme de séparer ce que Dieu a uni. Si vous mariez, vous devez marier. Et vous n'avez pas que bon Dieu bah, vous capable de divorcer de l'adultère. Et l'adultère bah, dit, vous obligé de divorcer. Ou bien doit considérer ou pardonner madame ou pardonner mari ou. C'est une bonne chose. Mais dans le cas contraire, si vous voulez divorcer, vous êtes capable de divorcer. Maintenant, si j'ai dit non, parce que la Bible dit, monde qui vivent dans l'adultère, ils ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Ils ont perdu. Les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais la société dit autre chose. Le mariage est un contrat. Si vous n'êtes pas plus satisfait avec le contrat, vous devez casser le contrat. Casser le contrat. Vous trouvez l'autre monde pour marier. Vous êtes marié une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Hein? Sans blague. Alors, vous vivez dans l'adultère et vous pensez au royaume de Dieu. No. If you live in adultery, you are going to hell. That's what the Bible said. Those who live in adultery should not inherit the kingdom of the Lord. You're going to hell. It's not because I said that. It's a problem. It's not because I said that. It's in the Bible. But the reason why you are against of that is because you're doing it. But you don't have to be upset with me. You have to consult the Bible and read it for yourself. Nous, comme chrétiens, nous, comme les prédicateurs, nous avons, comme ministres, nous avons la responsabilité pour nous prêcher l'Évangile. Selon 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. L'apôtre Paul écrit à Timothée, et il dit ce qui suit. Je t'en conjure devant Dieu, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Go ahead. Prêchez la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprends, censurez, exhortez avec toute douceur et en instruisant. La ironie dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas exhorter quelqu'un. On ne peut pas censurer les membres d'église qui vivent dans le désordre. Les membres d'église qui causent des problèmes, puisque les gens là ont plus de fanatiques à l'église que ceux qui prêchent la vérité. Ils ont plus fanatiques. Ou étonné pour moi. Combien de monde cap défendre? Oh frère, il est, vous n'avez pas. Où est l'amour de Dieu dans tout ça? Où est l'amour de Dieu? Hein? L'amour bon Dieu permet ou qu'un bon monde ou quittons monde à vivre dans le désordre. L'amour bon Dieu permet qu'on va vivre dans le mensonge avec le monde. L'amour de Dieu n'empêche que bon Dieu applique sa justice envers nous. Dieu nous aime. Mais les gens qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu, bon Dieu, ils ont une place qu'elle réservait pour eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on remet au monde pour qu'un bel n'ait menti. De préférence, c'est pour dire la vérité. Et the truth will set you free. Lorsqu'on va vivre dans le mensonge, on va vivre dans la darkness, on va vivre dans le fer noir. Et qui destination, c'est dans la cage qu'on va aller. La vérité n'est pas qu'à set you free.
Je dis, hein, nous avons un problème. Puisque l'apôtre Paul dit à Timothée, lui imposer à Timothée, est un homme aussi fidèle et aussi zélé que Timothée. Donc, en imposition ça, lui montrer quelle est l'importance du ministère évangélique et quelle responsabilité repose sur celui qui l'exerce. Paul menait Timothée devant le tribunal de Dieu et suppliait Timothée pour prêcher la parole et non des fables ou des traditions humaines. Paul invitait Timothée, insistez, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, en difficulté ou non. Prêchez en tout temps. Pour capable rendre témoignage de foi ou. Dans les grandes assemblées comme dans les petites assemblées, en chemin comme au foyer, aux amis comme aux ennemis, en sécurité ou exposé au danger, aux insultes, aux difficultés de toutes sortes. Paul conseille à son ami Timothée pour lui prêcher la parole en tout temps. Je veux dire, on n'a pas qu'à exhorter au monde. Même si tu es frère à deux dans le mauvais chemin, où est-ce à deux, mon frère? La façon que moi là, m'te ou là, m'pa remè ça non, et faut que ta fontier fort pour ça pas répéter. Bon, qui j'en m'te dit ça encore? Expliquez-moi comment m'te dit ça encore. Maintenant, action qu'elle pose là, c'est pas action un problème non? C'est ça m'dit un problème non? Mais qui ça m'dit que problème non? Son frère ou mien, hein? Si ou elle m'a vive, dans le désordre. Où doit exhorter? Quel que soit le monde qu'il a, si vous connaissez frère, il est à vivre dans le désordre, dans la débauche. Où doit dire ça, oui? Si vous ne pas dire ça, c'est ennemi mouillé, oui? Bon, comment vous me corriger si vous ne pas dire? Hein? Comment vous me corriger? Jésus est notre modèle, mes frères et sœurs. Nous devons vivre pour Jésus. Jésus est notre modèle parce que Jésus n'a pas fait rien selon volonté pâle, mais il fait toute bagaille selon volonté du Père. Et c'est ça pour nous faire, mes frères et sœurs. Maintenant, nous avons la responsabilité pour nous mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Nous avons la responsabilité, mes frères et sœurs, pour nous mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Can you put Jeremiah 23 verse 29 on the screen for us? Ma parole n'est pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Jeremiah 23 verse 29. It is compared to a fire and a hammer. Is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that break the rock in pieces. Listen. Si nous avons un morceau de fer et nous voulons avoir une machette, if you have a piece of steel, we want to have a saw. What do we do? We put that piece of steel on a fire, right? We put it on fire. Là, nous chauffons, bien chauffé. Nous prenons un marteau. We hit it. De mort, ou frapper, de mort, il prend forme pour venir bore une beautiful soul. That's the words of God. When you hear the words of God, and you see that there is something going on inside of you, that means it's working. It's working. Keep listening. Keep reading the words of God. Because the more fire a chauffé, ou pren matoa wap frapel, wap bal shape, wap bal form, pou bon beautiful so. Couteau nou wè nap manje sou tabyo, bel ti couteau, se kon sa wap bal form. Imagine comment le peuple de Dieu yo pa vle tande la vérité à travers la parole de Dieu. Pour qui ça nous pas voulons entendre la vérité?
Parce que la vérité l'a libéré, l'a rendu free. It is compared to a fire in a hammer. Is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces. I don't think that's what I'm thinking. If Pastor Zellan continued to preach the way he's preaching, he's been preaching, he's not going to have a lot of friends in this church. It's not, not by experience, I know it. Because people doesn't want to hear the truth. We need to preach love. We need to preach tolerance. Now you hear that people is accustomed to the living in the United States. The church can coexist with homosexuality. The church can coexist with homosexuality. Is it real? The Bible tells me God is the same yesterday, today, and tomorrow. He's not going to change for any reason. Why do we need to embrace homosexuality in our life to be cool, to be loving? Huh? You need to tell the folks the behavior that you have is not acceptable for Christ. It's not. God created a man and a woman. Huh? La parole de Dieu nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Imaginez-vous. Comment pendant que j'abdomine dans le cabane, je suis réveillé et je suis frère Jeff Bokoudi. What are you doing, Jeff? Are you losing your mind? Jeff? No way. It can't be like that, my brother, my sister. God loves us. But he wants us to be straight. Huh? How is it possible? Two women, huh? In December, doing what? If God is our model, why all we do resembles to the work of the devil? If God is our model, why everything we do resembles to the work of the devil? We embrace. Nous embrasser lesbiennes, nous embrasser homosexuels. Oh, the church has to be unified. We all go into heaven. We need to praise the Lord. We need to accept one another. Every? They tell me, the Bible says you can come the way you are. But God is going to transform you. He's not going to accept you. He's not going to tolerate you to stay who you are. And we have a hard time to give up what we used to do. A hard time. For some reason, we have a hard time. God wants us to give up the life that we are living because he doesn't want it. But society loves it. Right? Société a aimé. Si Jésus est modèle nous, why all we do resemble the work of the devil? Jérémie 5, verset 31. Jérémie 5, verset 31. Nous demandons à nos frères de poser Jérémie 5, verset 1. The prophets prophesize falsely. Jeremiah 5, verse 31. Please, I want you to see. The prophet prophesies falsely. Les sacrificateurs sous leur conduite. Et mon peuple, watch the language of the scripture. Et mon peuple, God said, mon peuple loves it. Mon peuple prend plaisir à cela. What? Les faux prophètes, ils ont prophétisé fausseté. Parce que ils ont dit nous ça, nous, ça pas bon. C'est pas parce que nous n'en faux, non. C'est parce que le message est faux. Mais nous acceptons. My people loves it. Today, you cannot talk about what you have to eat. We can eat everything. Because the Bible tells us
eat everything that they sell in the market. But the Bible says at the same time, my body is the temple of the Lord. Huh? Frère, bon Dieu, c'est qu'un livre, oui, c'est pas quoi, non? It is, what? Bon Dieu, God is holy. Do you think God is going to dwell inside of you when your body, everything in your body is for the devil? You would think that God will coexist with the devil in the same body? We eat everything. We dress anyhow. Now there is no difference between the Christian and those who are worshiping the devil. Because there we dress the same way. And we cannot talk about that. We have freedom over here. You have to watch your mouth. The Bible says those who profess Christ, we need to dress decently. We need to dress decently. Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 10, verse 31, que vous mangez, que vous buviez, que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Je m'habille, est-ce que je m'habille pour bon Dieu? Ah, frère, il est, I'm not coming to church. I can dress anyhow when I'm outside. Is it you? When you're outside, you're not a Christian, but when you're inside, are you? I don't think it's right. Mm-mm. We cannot serve two masters at the same time. God is specific, you know. God is specific. He wants you in a certain way. And that's the way he wants you. Amen. Le faux prophète, il a dit fausseté. Maintenant, l'évangile qu'a prêché, c'est l'évangile de prospérité. If I made the announcement that I'm going to preach about how people to get rich this morning. You see, in this room, I would not have an empty chair because everybody wants to get rich. And then what? Why bagay monde lan nous bal plus importance que bagay bon Dieu? Et nous réclamer tête nous comme chrétiens. Jésus est notre modèle. Jésus était uni avec son Père jusqu'à la mort même de la croix. En plus, le monde remet pour dire c'est adventiste. I don't know if they love this word for the definition. Maybe the definition of Seventh-day Adventist is those who are waiting for the second coming of the Lord. But we are the most undisciplined people. If you want to know if somebody is Seventh-day Adventist, give them some food and some money to share. You're going to see what happened. And they don't want you to talk about those things. But why? C'est bagay kap détruit nous. They're like a bird that eat dead animal, like black vulture or condor. You see, the black vulture, when there is a dead animal, they get together not to share the meal and ecocide, but they fight each other. One is going to get more than the other. As Seventh-day Adventists, we cannot be like that. We cannot be like that. We need to have discipline. Les gens qui vivent dans le désordre ont plus de popularité à l'église que ceux qui prêchent la vérité. Même dans les moments les plus intimes de notre vie familiale, parfois, ce que nous faisons représente les œuvres du diable. Même dans la vie conjugale, mes frères et sœurs, imaginez-vous, quand vous faites sexe avec madame, quelqu'un a eu le courage de dire, « Honey, can we have a threesome? » Ha! What is that? You want to bring another man with you to have sex with me?
because you know it. It's a common practice in the whole United States. Wife la gando avine akon lot fi, he di Maria, we're going to have a party in Troy. How can we do that, people? How? Explain to me. God doesn't want you to have a wife and leave your wife to have sex with another woman. And this is worse to bring another man, two men with one wife, or two women with one man. What is this? Where do we get this whole habit? Why do you want to do things that is against the will of the Lord when we are professing that we are Christian? We can't do that. You're going to answer Christ for this behavior. It's unacceptable. Christ is our model. We need to follow him. Nous pas accepter ça, mes frères et sœurs. N'a plaie, n'a dit que nous sommes chrétiens. Mais, en rien. Parce que, dans 2 Timothée, verset 4 à 3, il nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous entendons ça très souvent. Il y a des chrétiens qui disent, je ne vais pas tel pasteur, c'est tel pasteur, moi-même. I don't love this pastor. The way he preached, I don't like him. Because he was telling the truth. And you don't like the truth. And the truth is good for you because the truth will set you free. You are in bondage. Now you want to hear people who talk about prosperity. People who tell you, you're free. You don't have to live with a woman for the rest of your life. You don't have to live, sleep, eat, do everything with one person for the rest of your life. Frère, we need to change the menu. It's not about me. I have my beautiful, I think I have the most beautiful women that ever God ever created. Am I true, Fabi? You know my wife. But listen, I want to give you a story. I know when I met my wife for the first time, s'il pas de même avec m'da fou. Tout bon. Parce que she was beautiful. And no, I'm at that time. Now she's my wife. No. It's a different thing. I mean, she was younger. Right? She was younger. But listen. I know what is inside your mind. That's not what I'm saying. That's not what I'm saying. And listen. Now, and l'alte dim li reme avèm, c'était un soulagement. N'était content en pile. Kounya nous gagne plus que imagine de 92 à nos jours. Ça fait 32 ans. Pendant ce temps, je suis à Haïti, pendant que je suis venu aux États-Unis, je travaille, je gagne l'argent. Je suis fille cheveux blanches, blonde. C'est monsieur, il est, I love you. Thank you very much. I'm a married man. But it doesn't matter if you're married. For me, it's not a problem. I cannot listen to these folks. Because I know where I took my wife. And I know the long way God allow us to spend together. It's not now. Bon folie, prends le changé, madame. You, madame, c'est tant qu'on achète une voiture neuf. When it's too neuf, it smells good. You want to be inside your car every day, all day. If anybody pass by your car and touch your car, and then after that you do this. You wipe it. That's when you get your girlfriend, your wife. The car can still smell good if you set aside money to take care of the car. Because the brand new tire, when you use them, they're fini. You need brand new tire. You need brakes. You need to do some works. If you have to send the car to the shop,
to have a makeover, you can do that too. You can do that to your wife. Eh? Don't spend your money somewhere else. Spend it in your wife. When somebody says, my wife is beautiful, I say, I spend money on her. That's where I spend my money. She got control of my money. I can give people money. I can. But I'm not going to waste my hard-earned money God allow me to have, to waste it like that. It's a waste of time. People, as Christians, we need to know God is counting on you to do the work, to preach the gospel. Don't do things that is to satisfy your flesh. Sometimes, we guys, you let your hormones take a decision for yourself, for you. Our hormones lead you in a way that God doesn't wish to go. You need to think about it. Everything has an end, like it or not. But as Seventh-day Adventists, we need to go back to the Bible to follow the words of God. We cannot live our lives like that. It's not fair. It's not right. Bon Dieu compte sur nous. Bon Dieu veut que nous soyons toujours dépendants de Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu veut totale dépendance. Et cette totalité de dépendance, il doit conduire nous à une relation simple avec Jésus. Et pourtant, ça est difficile. Il est difficile. Croire au don de la grâce exige la soumission totale. Nous devons soumettre nous. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié. I was crucified with Christ. Si je vis, ce n'est pas Christ qui vit dans moi. L'apôtre Paul était un homme. Il connaît l'autre dans une mauvaise situation et il connaît l'autre dans une bonne situation. Il abandonnait le monde, il était attaché avec Jésus. Voilà pourquoi il a déclaré à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Désormais, le royaume de justice m'est réservé. C'est doué la déclaration de tout le monde. Jésus, bien entendu, il désirait pour lui présent dans notre activité quotidienne. Et Dieu veut dans notre activité quotidienne. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, verset 17. Faites tout pour la gloire de Dieu. Pas grand temps ou avec Jésus, ou l'autre temps pas avec Jésus. Tout côtoyer au travail, à l'école, au marché, vous êtes avec Christ. Vous êtes un disciple de Christ. Nous causons trop de torts, trop de problèmes à ceux qui nous regardent. Parce que quand nous y voyons, nous, ils disent, oh, c'est bon disciple Christ ça est. Quand il y a tout le monde qui a parlé à Ariel mal. Les saints préfèrent Ariel qu'on a dans l'église adventiste. Parce que le monde connaît. Ils ont respecté les adventistes du 7e jour. Ils ont compris que le monde qui est adventiste du 7e jour, il n'y a pas mêlé n'importe qui bagaille. Moun ke Christ modèle yo, yo pa ka vivre dans tripotage. Moun Christ modèle yo, yo pa ka vivre dans adultère. Moun ki Christ modèle yo, yo pa ka vivre dans mensonge. Moun Christ modèle yo, nou pa ka rayi youn lot. Nou gen dwa gen désaccord, mais nou pa ka rayi youn lot. De corps nous fait semblant que nous ensemble, mais de cœur nous pas ensemble. Matin, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10 verset 31, que nous avons mangé, que nous avons boire, que nous avons fait n'importe qui bagaille. C'est pour nous faire pour la gloire de Dieu. Dans l'action qu'on met moi passé la semaine dernière, là, jusqu'à hier, est-ce que Jésus la donne? Si oui, on connaît, sinon on ne pas connaît. Mes frères et sœurs, le but de ma prédication de ce matin, ce n'est pas de vous faire peur ou de vous dire que votre cas est perdu. Ce n'est pas le but. Mais c'est pour réveiller votre conscience afin de ne pas faire les choses comme vous voulez, mais comme Dieu le veut.
c'est pas peine de faire nous paix. Moi-même tout. Hein? Je me disais comme l'apôtre Paul, parfois je veux faire du bien, c'est mal que je ne veux pas faire. Mais je me demande, mon Dieu, pardon. Ce n'est pas pour nous qu'on nous perdu, mais c'est pour nous réveiller nous dans le profond sommeil nous hier, pour nous faire la volonté de Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans le proverbe, il nous dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il se dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ha! Jesus doesn't have power, he is the power. Jesus doesn't have wisdom, he is the wisdom. Anything is possible for those who believe in Christ. Maybe you're in church for a very long time. Ou pas jamais pensé à la question apôtre Paul posait. Il dit, examinez-vous vous-même. Posez cette question. Examine yourself to see if you're still keeping the faith. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Les choses qu'on va faire, est-ce qu'on est d'accord avec la volonté de Dieu? Le but ici, ce n'est pas pour nous socialiser, mais c'est pour nous faire la volonté. Nous ne venons pas pour entendre ça, m'a dit ça, m'a pensé. Nous venons pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui apprend nous libres, c'est ça qui apprend nous rester dans le chemin avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il retourne nous dans la vie éternelle. If for far too long the word of God were not your priority. It's for far too long. The words of God were not your priority. Today is the time to ask God for his forgiveness. And ask him to allowing us to do as he pleases. How many people who are here this morning? For far too long. They come to church and go back home as a routine. Men have a take. If God coming tonight or tomorrow night, where would you be? Huh? If you think I'm part of it, because there are things I've done in my life, I regret them. But the past is the past. And I consider 2 Corinthians 5, verse 17. If someone is in Christ, he's a new creature. Take all things are passed away, and now everything are becoming new. I can't fight with my past. It's already past. But what I can do, I can ask God to help me deal with my present. And I can ask him to guide my future so that parle en contradiction avec la volonté de Dieu. C'est bien pour nous matin. Si grand monde qui là matin qui senti fort fort tout long, il était négligent par rapport à la parole de Dieu. En avançant ensemble, nous allons prier le Seigneur pour que bon Dieu redirige la vie nous, pour que nous devenions des hommes et des femmes que bon Dieu capable de compter sur nous-mêmes pour nous faire le travail du salut des âmes. Frères et sœurs, je ne veux pas blâmer personne. Si je blâme, c'est tête. Mais to tell you the truth, there are a lot of people who is preaching the words. C'est eux-mêmes qui méritent pour prêcher. Parce que ça a fait, ça a dit, ils n'ont pas en accord avec la volonté de Dieu. Jésus est notre modèle. Nous devons prêcher comme il a prêché lui-même. N'importe monde qui veut avancer, avancer matin. Nous allons prier le Seigneur pour que bon Dieu baille notre directive à la vie nous et que nous capables de dire à la manière de Paul, je combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, désormais le royaume de justice m'est réservé. Si il y a des gens qui sentent qu'ils ont besoin de bon Dieu, mais ils ont été dans une mauvaise direction, avancez, nous allons prier le Seigneur. Pas de honte, mes frères et sœurs. Nous tous nous péchons, nous tous nous faisons ça pas bon, nous tous nous vivons dans le désordre. Pas grand monde qui est exempt. Mais bon Dieu toujours voulait pour le pardonner nous. Il dit, venez à moi et wap oué si m'bap tourner à nous-mêmes. Si péché rouge comme cramoisi, bon Dieu qui a fait le plus blanc que la neige.
Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, ce matin, nous avons entendu ta voix. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais ce matin, nous voulons placer nos tailles et nos travers entre tes mains et nous demander au Seigneur pour jeter au très loin de l'existence, nous, pour permettre que nous ayons une vie nouvelle, un cœur nouveau qui est capable de faciliter la compréhension, la collaboration, Seigneur. Nous avons trop de temps à vivre dans le péché, à badiner dans le péché, à piaffer dans le péché. Mais maintenant, où dit si c'est où qui mettent nous, Seigneur, c'est pour nous marcher plus loin. Nous levons le peuple ça devant. Un peuple qui remet au Seigneur. Alors que Satan attaque nous de jour en jour, la parole nous dit, résistez le diable, soumettez-vous à Dieu et l'adversaire fuira loin de vous. Seigneur, grand pile monde qui l'a. Il a souffert en pile. Mais il reconnaît qu'on a fait un bagage pour eux. Mais puisque Satan qui est en désobéissance, nous présentons devant au Seigneur. Car toi seul as le pouvoir de dire à Satan, arrêtez, cherchez que je suis Dieu. Je domine sur la nation. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de et notre salut. Seigneur, renvoie-nous de ce lieu avec l'onction de ta paix et de ta grâce afin que nous puissions continuer à vivre même gens dans le passé, mais nous capables de tourner des personnes nouvelles et nous capables de marcher en nouveauté de vie et à ton retour, Seigneur, nous aurons tous ta vie éternelle. Fais ça pour nous, Père, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus. À lui soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Avec nous, qui t'a adoré ensemble avec nous en live, nous disons merci que bon Dieu lui-même est capable de continuer bénir nous davantage, continuer brancher. Et nous voulons dire merci à toutes frères et sœurs nous, membres de l'Église qui toujours là chaque sabbat, en nous été connectés parce que délivrance nous partout loin. Et nous voulons dire merci à technologie. En musicien nous yo les chants qui étaient ensemble avec nous, nous dit nous merci, nous dit tout le monde merci. Et pour nous capables de mettre fin à ce service là, nous prier assemblée capable de mettre debout et nous pouvoir chanter le numéro 325 avec les chants. Oh,
prière, capable de prendre position pour la prière, la tête baissée et les yeux fermés. Seigneur éternel, notre Père, notre Dieu, nous disons merci pour grâce, pour privilège, vous accordez nous. Dès que nous sommes ensemble matin, pour nous être capables d'entendre des messages que vous voyez pour nous par canal serviteur. Nous disons merci dans nos pères, pour permettre que nous seulement entendions, permettre que nous sommes capables de mettre en mémoire, en pratique. Les moments où paraît difficile, les moments où paraît noir, nous sommes capables de réviser les messages qui sont capables de nous donner nos forces pour nous capables de rester dans le pio jusqu'à ce que vous fassiez faire apparition. Père des cieux, nous disons merci, tant de prières, nous. Pardonner péché, nous pourrons retourner dans de mes respectives, nous permettre que Saint-Esprit capable d'accompagner de nous, nous capable de rentrer en bien et encore sabbat, nous capable de retourner bonne gloire qui appartient à nous-mêmes seuls. Tant de cris, nous Père des cieux, nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. Amen.